Bonjour, 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 je vous présente les masques plus maison que j'ai fait. Alors, j'en ai encore un autre, mais il est déjà partout au lavage pour mon mari, il en avait besoin. J'ai un masque comme ça, qui s'attache derrière la tête. Voilà. Un masque avec un seul pour mettre aussi. Alors, un masque pour un enfant que je vais emmener pour les prochains courses pour donner. Ça, c'est mon petit masque que je me suis fait, que je peux faire en même temps. Tout. Pour moi, c'est fait naturellement avec de la laine. C'est parce que j'aime pas trop le contact d'élastique derrière les oreilles. Et voilà, mes petits masques faits maison, cousus à la main, faits maison, vraiment tout conçu avec mes beaux petites mains. C'était très dur. Normalement, j'avais trop mal. Parce que je dois faire travailler mes mains, sinon je suis paralysée des mains. Si je ne fais pas travailler, ordre du médecin, je dois faire travailler mes mains pour éviter la paralysie. Voilà, à cause, bien sûr, à quelle maladie. Voilà, mes masques. En tout, ça m'en fait déjà 6 masques de fait, donc d'autres qui sont déjà au lavage. Et là, je vais refaire encore aujourd'hui d'autres masques que je vous montrerai. Allez faire un tour sur Instagram au nom de Gilberte Cornier ou Isabella Iris Cornier ou Facebook Gilberte Cornier ou Isabella Cornier. Isabella Iris Cornier. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.